Un week-end 14-18, je recherche une ambiance. Une ambiance un peu fraternelle et un peu religieuse et marrante. On trouve plein de trucs. On s'amuse et en même temps, on se découvre ensemble, on découvre les autres. C'est vraiment complet, je trouve. Un week-end 14-18, je viens retrouver des amis, faire de nouvelles rencontres. Je viens faire de nouvelles rencontres avec des gens qui ont la même religion que moi et la même foi, et du coup, pouvoir partager sur ma foi avec des jeunes de mon âge. Et une bonne ambiance, faire des jeux. Je vais prendre un temps avec Jésus. On peut reprendre un temps avec lui pour prier, pour me retrouver, avoir un cœur à cœur avec lui. Ce qui renforce ma foi, moi, c'est les moments de partage en frat. Parce que finalement, c'est les moments où on est tous ensemble et on se dévoile mutuellement. Je renforce ma foi surtout pendant les temps de louange parce que c'est quelque chose d'assez rare et qu'on fait surtout au 14-18. La foi au week-end 14-18, elle est vraiment donnée par les autres en fait. C'est vraiment cet échange de relations qui fait que tout le monde est dans la prière et qui fait que, enfin, nous on est plongé dans la prière du coup. Et c'est vraiment beau de voir tout le monde prier, de voir tout le monde heureux et on sent une présence du Seigneur. En fait, c'est très bien proportionné, les temps de jeu, les temps de prière, les topos, les frats, c'est très bien proportionné et c'est vraiment cool. Pour entendre des témoignages qui peuvent nous aider de voir où on est dans notre foi. Au début de l'année, j'ai fait mon premier week-end 14-18, donc je connaissais personne. Et je me suis rendu compte que c'est super joyeux. Donc ce que je viens à chaque fois, c'est chercher un peu la joie. Ah, salut Anne! Ça va bien? Bah ouais, très bien, et toi? Bah ouais, carrément. Tu vois, eh bien, je t'avais ramené hier. Oh, trop cool! Merci! Bon, allez! À la reprise! À la reprise! Et alors, t'as repris le sport? Bah non, avec les cours, pas trop le temps. Je faisais des vœux pour vraiment la fabrication. On a vu. Et donc, tu m'avais dit que tu voulais prier tous les soirs. T'as réussi à tenir ton engagement? Bah, le soir, je suis claqué, alors je l'ai laissé tomber. À Roubaix, triple merde. Est-ce que tu l'as eu, et t'as fait les maraudes avec les SDF Ouais, mais non, finalement j'ai zappé. Ouais, t'as laissé tomber. Écoute, Hugo, là, il y a un truc qui va pas. Enfin, ça se passe comment? Je te sens pas au top. Bah, c'est quand on a discuté au bar, là, je me suis rendu compte que je m'étais pas assez investi cette année, quoi, que j'avais pris des engagements, mais que je les avais pas tenus. Et je me dis qu'il faudrait que je me bouge, quoi, tu sais, que je me motive vraiment, que je m'investisse, que je prenne des vrais engagements, quoi. Et,
Et là, je sais pas trop, je suis un peu paumé, il faudrait que je prenne un peu de temps pour me poser. Écoute, moi je te propose une chose, je sais qu'il y a une chapelle pas très loin, on peut y aller faire un tour et, ouais, carrément. Et se poser tranquillement.